Bonjour les mamans, je voulais vous faire des vidéos parce que une grossesse allongée, donc dite alitée, c'est jamais très facile, c'est même assez anxiogène en fait. Alors peu importe la raison pour laquelle ou les raisons pour lesquelles vous êtes alitée, que ce soit des contractions, que ce soit un col qui se soit effacé, un bébé qui est pas, etc. Peu importe cette raison-là, je vais essayer de vous donner quelques astuces, quelques conseils pour le vivre au mieux. Et donc je vais faire une série de vidéos là-dessus. Aujourd'hui, et sur cette vidéo en tous les cas, le thème ce sera comment éviter le silence utérin. Alors le silence utérin, dans sa définition, c'est un terme médical en fait qui signifie simplement absence de mouvements qui sont normalement quotidiens. Voilà, on passe d'une activité dite normale, on bouge, on fait plein de choses, à la position allongée où là il n'y a plus trop de mouvements. Alors c'est vrai que le terme silence c'est un petit peu pas adapté, hein, puisque quand on entend le mot silence, on se dit absence de bruit. En fait, c'est absence de mouvement, parce que du bruit, il y en a. Il y a les battements du cœur qu'il entend, la soufflerie des poumons, vos cordes vocales, le flux sanguin dans les vaisseaux, les borborygmes de l'appareil digestif. Bref, il y en a du bruit, plus tous les bruits à l'extérieur qu'il perçoit, même si c'est un peu assourdi avec vu qu'il a son petit corps dans le liquide amniotique. Effectivement, c'est un petit peu lointain au niveau des bruits, mais il entend tout ça. Donc c'est un silence utérin qui signifie surtout diminution, absence, diminution des mouvements. Alors on va essayer d'éviter ça. Ça serait bien parce que c'est pas très agréable pour le bébé. Déjà, la transition entre l'activité et la non-activité du fait d'être alité, pour lui, bah, tout d'un coup, il comprend pas trop ce qui se passe. D'ailleurs, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, à quel point c'est important aussi de communiquer avec son bébé et de lui expliquer. Mais aussi, il va falloir favoriser aussi un sentiment de sécurité pour lui, qu'il soit rassuré dans ce qui se passe et dans cette nouvelle situation. Le fait d'éviter aussi ce silence utérin permettra à votre bébé d'être beaucoup plus performant dans son développement psychomoteur, puisque tout simplement le mouvement est important pour lui, le fait de bouger, d'être bercé, ça va lui permettre à nouveau de ressentir son corps, de pouvoir faire des mouvements plus amples, parce qu'effectivement quand vous êtes allongé et surtout quand il y a des contractions la plupart du temps, l'utérus est un peu moins, j'ai envie de comparer ça fait plus un peu studio que loft en fait, parce qu'à l'intérieur il est un petit peu plus contraint, le contenant est un peu moins spacieux du fait d'être contracté, du fait que ce soit toujours les mêmes diamètres parce que vous êtes allongé. Donc c'est vrai que dans le quotidien, quand vous êtes debout, quand vous bougez, et bien voilà, tout d'un coup, hop, vous allez lui présenter et vous allez lui faciliter aussi ses mouvements. C'est pour ça que c'est important de continuer à avoir des mouvements pendant la grossesse, même si vous êtes alité, donc je vous encourage vraiment à faire ces exercices. Et je vous retrouve juste après, à tout de suite. Installez-vous d'abord confortablement avec un coussin d'allaitement ou à défaut des oreillers. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de cambrure au niveau de votre dos, donc bien à plat. Ensuite, vous glissez un ballon sous les jambes pour les surélever et vous effectuez quelques mouvements de bascule de gauche à droite. Ça va aussi favoriser la circulation du sang et de la lymphe et en plus masser votre sacrum. Ensuite, le deuxième exercice, vous enlevez le ballon et de la même façon, vous ramenez les jambes vers vous avec vos bras et vous faites des mouvements de bascule à nouveau de gauche à droite. Vous allez pouvoir étirer votre dos, vous soulager et bercer votre bébé. Voilà, j'espère que ces exercices vous semblent simples à faire et que vous allez pouvoir les mettre en pratique dans votre quotidien, parce qu'effectivement ça va changer la donne, et pour vous, pour le bébé, ça a du sens ce que vous allez faire. Et c'est sûr qu'une fois qu'on a compris comment éviter le silence utérin et à quoi ça servait de l'éviter, c'est sûr que c'est motivant. Voilà, donc je vous embrasse très fort, je vous prépare une autre vidéo tout bientôt.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour la recevoir dès que je la mets en ligne et de partager si vous avez aussi d'autres amis ou des connaissances qui sont aussi dans une situation identique pour qu'elles puissent aussi profiter de ces vidéos. Je vous embrasse, je vous envoie plein de pensées positives et beaucoup de courage et mille bisous.